Salut à tous sur Multi YouTube, on se retrouve dans le jour 18 pour This is the Place. C'est l'épisode 8 il me semble. 9, je sais plus. Bon bref. De toute façon, si vous voulez avoir le résumé des épisodes précédents, bah allez voir les autres épisodes. Ah bah lui forcément c'est de la merde. Ouais allez, va te reposer chez toi, tu ne sers à rien. T'es un petit branlot. Lui il a l'air fatigué aussi. Gardner. L'équipe B elle est bien remplie en fait. Bon, Stars ED. Ah bah oui, c'est les nouveaux qui sont sortis. C'est eux que je comptais sacrifier. J'aurais pas dû lui dire qu'ils pouvaient se reposer. Bon, c'est pas grave. Alors, inspection penalty. Your inspection turned off, multiple violation, which are contributing to the serious decline. Ce départ s'est mentionné. Penalty for the violation will be 25% of your bank account. Hein? Meilleur 200 business day, ouais, d'accord, foutu de ma gueule. Je viens de me faire voler un quart de mes richesses, quoi. Fail, ça je me le savais. D'accord, on va partager les sous. Bon, un viol, alors. Je commence à avoir du monde, ça, au moins c'est intéressant. Hop, on va balancer ça, tout le monde, proceed. Attends, on va essayer de faire en sorte que tu te fatigues pas trop. Mon petit Gardner. Bon, du coup, je me suis bien fait enfler, c'est bien dégueulasse. Donc garder les sous, c'est peut-être pas forcément... J'aurais peut-être dû... Enfin bref, d'accord, il faut qu'il y ait un policier. Ouais, bon, envoyez Wolf. On verra bien. Alors, le viol, je pense qu'il a été arrêté, hein, vu qu'on y va à 150 contre 1. Alors, il y a un café, une bagarre dans un café, on peut y aller à 4, j'ai que 3 personnes, donc on va attendre qu'ils reviennent. Et on va y aller, je peux pas envoyer Gardner puisqu'il doit se reposer. Donc on va envoyer Price parce que c'est Mamie qui a raté. Et Wolf, je m'en fous, il est là pour mourir à terme. En même temps, est-ce que je vais encore avoir le problème de 50% féminin avec les féministes? J'avais pas vu le coup venir, à vrai dire. Après, c'est mon premier run. Mais c'est vrai que dans les journaux, ils m'avaient prévenu que les féministes augmentaient, machin, que ça râlait. Donc, bon. J'aurais pu. Alors, gna gna gna, ça marche très bien. Clac. The inspector are leaving the police station. Eh, bah, c'est pas trop tôt. Pas trop tôt, on va peut-être avoir des contrats avec la mafia du coup. Alors, tac tac tac, du coup, investigation, c'est quoi ça? Jack, enfin, toute mon équipe, ouais, bon, il y a des problèmes, qui c'est qu'on va envoyer pour ça? Tiens, ça a pas l'air fatigant comme travail. Même si t'as l'air vraiment crevé. C'est dommage que je puisse pas leur faire des. Ouais, y a rien pour le moment, on va rouvrir cette vieille affaire. Histoire qu'ils travaillent un peu. Hein. Un jour on aura la réponse. Ou pas. D'accord. S'est bien passé et elle m'a promis des beignets pour tout le reste de l'année, c'est cool. Tu vas pas remonter le moral, allez. Dommage. Ah, nous avons besoin d'un backup. Pas mal de punks ont essayé de casser les machines de poker en gros et ils ont essayé de partir avec le fric. Bon, on va balancer Purdy et Roy qui était une merde à la base, hein. Pour ça que j'ai espoir en certains deviennent quelque chose au bout d'un moment, mais bon,
Pour le député du maire là, ça va... le cousin, le neveu ou je sais pas quoi. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, de l'indécence publique, durant la prévue spécial viewing, ouais, enfin la séance spéciale de Law Abiding Max 3, le cinéma, un employé du cinéma a découvert que des membres de l'audience avaient enlevé leurs pantalons et quand même one of member of the audience, donc une personne du public avait enlevé son pantalon et la personne a appelé directement les flics quoi. Donc on va envoyer les flics hein. Attends, toi non, faut que je te laisse te reposer. Price parce que Mamie Karaté elle en a vu d'autres et Wolf parce qu'il doit XP. Pourquoi je peux pas envoyer Wolf? Ah oui non, bah alors pas Price, on va envoyer Wolf. Voilà. Et c'est la fin de la journée. Bon. Bon, par contre, du jour 18, même si je fais autant de fric que là où je suis parti, j'aurai jamais les sous avant le 180e jour, quoi. Faut qu'il se passe quelque chose, quoi. Que je me fasse plus de fric ou autre. Ah, il est tout nu, on va l'approcher discrètement. Voilà, ça a marché. Il s'est pris un coup de matraque dans le vandalisme. Eh ben, on va envoyer Kochi, Price, ça devrait être bon. Gardner, j'essaie vraiment de le laisser se reposer au max, hein, vu qu'il va pas bien. Et que c'est quand même un mec qui a eu deux promotions, à première vue. Enfin, c'est un gradé, quoi. Donc, bon. Ouais, il se passe pas grand chose aujourd'hui. Ah, l'homicide, no new friend, open investigation. Bah ouais, mais bon, j'ai pas réussi à résoudre le cas. C'est. Tu veux que je te dise, moi? Ouais, non, c'est sûr et certain, c'était au silencieux. Mais le problème, c'est qu'il me manque un passage. Enfin, je suis pas sûr de la voiture. Et. Bah, si, théoriquement, c'est la marron. Sinon, là, ce serait pas marron. Et il me manque toujours une pièce du puzzle, quoi. Ça va pas se résoudre. Ouais, je pense vraiment que je vais être obligé de. De laisser ce truc encore une fois. Enfin bon. Vandalisme, on les a arrêtés, nickel. On arrive quand même à faire du à peu près bon boulot, hein. Mais bon, le problème c'est que je fais du bon boulot, mais je remplis pas mes caisses. Et le but c'est de remplir les caisses dans l'histoire. Donc, ça va pas, ça va pas. Ah, il y a Vargas qui commence à se rebeller. Ok, il va falloir que j'aide un peu plus ça, en même temps j'aurais du mal à l'aider un peu plus. Alors dans l'équipe, ah il est où le glandeur? Lui je peux pas... Non, oh, ils sont fatigués, allez vous coucher de toute façon. Par contre c'est vrai que... Il y a quand même une grosse différence entre l'équipe A et l'équipe B quoi. On va passer au jour 19. D'accord. Le maire appelle les prospecteurs, les bureaux de prospectus, prosecutor, donc non du procureur peut-être, pour voir. Ouais, bon, bref, on s'en fout. C'est entre Robespierre et Robespierre. Et. Ouais, bon, on s'en fout. Grosso merdo. Pas de news intéressante à première vue. Enfin, une histoire avec des étudiants et deux histoires avec Robespierre, donc bon, peut-être qu'on va entendre parler de Robespierre, mais bon. Ouais, non, je suis désolé, mais non. Non, non, ton chat il est malade, voilà. Il pleut aujourd'hui et. J'ai.
Oui, mais viens demain. Allez hop. So go, au moins comme ça tu te reposes. On va commencer la journée, on va rééquilibrer les équipes directement. Parce que j'ai clairement une bonne équipe et une mauvaise équipe. Et là, je suis dans la mauvaise équipe. Alors hop, police station avant toute chose. Ceux qui sont en train de se reposer, c'est eux. Donc on voit qu'il y a quand même une différence de 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Non, 4 personnes. 3 détectives de chaque côté. Il faut que je mette lui avec des mecs qui servent à rien, donc Wolf, voilà. Et le troisième qui servira à rien, ça serait Asano à 170, ça me fait chier quand même. Ou Akimo à 160. Est-ce que le Labor Market, non, il est toujours pas beaucoup plus fourni quoi. Ouais, donc bah, en même temps lui il est tellement inutile que est-ce qu'il compte vraiment quoi. Mais bon. Faut quand même que j'en passe dans l'autre équipe. Sachant que dans cette équipe, ils sont tous à peu près bien cotés. Allez, mamie. Move to shift AO. Voilà. Donc, ça fait une personne de plus ici. Ouais, Wolf. Ouais, je crois que. Tiens. On va faire ça. Voilà. On en bouge 3 dans l'autre équipe. Ce qui veut dire que. C'est l'équipe A après qui va être beaucoup plus complète. Quoique, est-ce que c'est. Attends. C'est une connerie là. E2, c'est les gens que je voulais sacrifier. Donc voilà. Elle, je la fais passer du côté A. Oui. Ça fait un différentiel de moins 1 plus 1. Lui, il a besoin de se reposer. D'ailleurs, c'est vraiment l'équipe B où il y a le plus de gens, quoi. Donc, il reste un différentiel de 3. Donc, il faudrait que j'en fasse encore passer 1 dans l'autre équipe. Sachant que si je veux en dégommer 3 ici, ce sera peut-être pas vraiment la peine. Donc, ma foi. Oh, on va laisser comme ça. Alors, le premier cas de la journée. D'accord. Il y a une bombe. Ça va être pénible aujourd'hui. Je vous préviens les gars. Ça va être très risqué. Je vais avoir des morts aujourd'hui. Oui, il y va tout seul parce qu'en gros il va aller voir. S'il y a une bombe, on attendra le désamorceur. Ouais, 1 300 $. Alors, Japan Businessman va venir en gros. Et il va arriver dans Fribourg. Il faut faire attention qu'il y ait 3 officiers asiatiques qui vont travailler le 5 août. Ouais, sauf qu'on est le combien là? J'ai pas fait gaffe à la date. On est le 2 août, donc ça fait dans 3 jours. Mais les asiatiques. Donc 3 jours. Donc équipe A, c'est aujourd'hui. Le 3, ça sera l'équipe B. Le 4, ça sera l'équipe A. Le 5, ça sera l'équipe B. Non. Si le 2 c'est l'équipe A, le 3 c'est l'équipe B, le 4 c'est l'équipe A, et le 5 c'est l'équipe B, donc oui c'est bien dans l'équipe B. Maintenant les Asiatiques, est-ce que j'en ai assez? Ben, on va annoncer qu'il y a une bombe, et tant pis si ça fait. Voilà quoi. Disconnect the battery. Non, on va plutôt être sûr que tout a été évacué. Ouais, bah c'est pas grave, il s'enfuit, il n'y a pas eu de mort. Ah, d'accord, ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Bon, bah ça a foiré. Donc, comment je fais pour savoir si c'est des Asiatiques ou pas? Moi, t'es gentil, mais. Qui est Asiatique dans le bordel, quoi? Il faut qu'il y ait 3 Asiatiques, mais. Attends, toi Tsubaki, tu t'es Asiatique, toi. Ouais, d'accord, mais on peut pas avoir plus d'infos que ça. Tsubaki, oui, avec un nom pareil, je pense que t'es asiatique, mais qu'est-ce qu'il y a de toi? Tu dois être asiatique, Kochi, avec un nom pareil, voilà. Mais après, ça fait 2 asiatiques qui vont bouger ici. Et malheureusement, est-ce qu'il y a un asiatique vandale? Vandale?
Il est belge ou il est asiatique? C'est pareil. On sait rien quoi. Ouais. Bon, Sogo il est peut-être asiatique aussi. J'en sais fichtrement rien. Bah écoutez, on va tenter comme ça. Et puis de toute façon, si ça passe pas, ça passe pas. Hein. Par contre, du coup, 180 et 440, ouais. En face, va y avoir des soucis quoi pour gérer. Je pourrais m'amuser à mettre toutes les nénettes dans la même faction. Ouais, bah non, du coup, elle va passer. Elle aussi. Oh. Ouais. Enfin bon, en tout cas, si j'enlève un à 440 et un à 180, même s'il y en a un des deux, c'est pas trop grave. Le 440, ça m'emmerde. Donc toi, tu changeras, tu iras dans B. Voilà. Donc toi, t'as foiré. Bon, pas très grave, mais quand même. Investigation, on en est toujours à ça. Ce bon vieux truc qui reste depuis 150 ans. Peut-être réussir un jour à le résoudre. Alors, public à naissance encore. Un adolescent complètement bourré, encouragé par son groupe d'amis, a commencé à se foutre à poil et à danser, enfin à faire l'hélicobite devant les caissières en achetant un paquet de préservatifs. C'est une espèce de rite de passage. On va envoyer samedi. Voilà. Chef, some guys in rag are trying to enter the police station. He says that he's a Tibetan monk and he wants to talk with your patrolman about the matter of violence. Un moine tibétain qui vient nous faire chier quoi. Ouais, si tu veux. Va parler avec quelqu'un. C'est pas bien grave. Hein. Sans point où j'en suis. Donc, pour éviter la violence en même temps, on essaye d'éviter la violence. Moi, je te dirais. Alors, Jacinthe, d'accord. Il y en a deux qui vont faire chier. Eh ben, hop, Vandal et Akineto, on vous envoie. Quoique Akino, t'es. Je sais même pas si t'es chinois ou pas, toi. Merde. On va envoyer Guest, du coup. Quoique toi, t'es vraiment chinois pour le coup. Hop, voilà. On va essayer d'avoir les trois Asiatiques dans l'équipe A. Hein. Donc le 2, le 3, ça sera la B. Le 4, ça sera la A. Le 5, ça sera la B. Attendez, je suis en train de me tromper en fait. Attendez. Je vais prendre un papier, un crayon, c'est complètement débile, mais je veux pas me tromper. Si le 2, c'est l'équipe A, le 3, c'est l'équipe B, le 4, c'est l'équipe A, et le 5, c'est l'équipe B. Donc, c'est bien dans l'équipe B qu'il faut qu'il y ait les 3 Asiatiques. Donc, c'est dans l'équipe B qu'il faut qu'il y ait les 3 Asiatiques. Dans l'équipe B, il faut qu'il y ait les 3 Asiatiques. Donc, toi, tu vas rester là. Ce qui m'arrange, en fait. Toi, tu vas rester là. Toi, tu vas bien repartir dans l'équipe A. Donc, toi, vu que tu es à 215, c'est plus toi qui vas partir. Tu restes dans la A. Et le troisième Asiatique, est-ce que c'est Sogo ou Akino? J'en sais rien. Il foutra rien. On va dire Akino qui va bouger dans l'équipe B. Et tac tac tac. Je trouve que c'est des trucs complètement random quoi. De toute façon, Kochi, Asano et Tsubaki, théoriquement, c'est déjà trois Chinois. Hein. Pas emmerdé. Longtemps. Bon, bref, on verra bien. Si c'est. Mon avis, au moins on pourrait essayer de réussir ça. Alors, Christopher Jitsand, The Hockey Team de. Donc la team de hockey de Monsieur Sand. Enfin, que Monsieur Sand possède. Va avoir un match important.
au Ice Arena et donc il est enfin le stade, enfin je peux pas dire le stade, la patinoire en question est fermée pendant les heures d'entraînement, mais le gardien du stade a reporté, enfin a dit qu'il y avait pas mal de gens bizarres qui traînaient autour, donc il faut un officier pour gérer ça. On va envoyer Grant. La petite brunette aux yeux verts. On va voir comment ça se passe. Bon, et normalement le City Hall c'est dans un jour, ok. Si en plus je peux avoir encore un slot de plus, ça pourrait être pas mal. Après je redemanderai à être augmenté, parce que sinon je suis pas assez payé. Voilà. Alors, une femme complètement folle qui crie Oh my god. Des sorcières sont venues pour tuer mon bébé. D'accord, ça pue la fausse alerte. Mais on va envoyer Robin, Guest et Vandal. Ouais, que deux, ça suffit. D'ailleurs, même on va envoyer Vandal. Si ça, c'est pas de la fausse alerte. Marqué, c'est peut-être pas une fausse alerte. Il y a peut-être vraiment quelqu'un qui est venu faire chier. Mais bon. On va bien voir. C'est la fin de la journée en plus. Alors, fausse alarme, voilà. C'est bien ce que je pensais. T'es complètement défoncé. Alors, bridge, a woman driving past on the bridge. So, donc une femme qui passait sur le pont a vu deux thugs qui étaient en train de, ouais, bon, en gros, de tenir quelqu'un, deux truands qui étaient en train de tenir quelqu'un par les jambes. Et ma foi, elle a peur, donc on va envoyer tout le monde. Hop. La dernière fois qu'on est allé sur le pont, ça s'est mal passé. Ok. Après, j'aimerais bien faire m'amuser avec les nouvelles options aussi. Parce que, mine de rien, no new frame. Ouais. Oh, mais je crois que je vais laisser tomber ce cas. Oh purée, sérieux. J'ai réussi, c'est cool. Deux forces de police ont envoyé Robin et Vandal pour procéder à l'arrestation. Ouais, tu veux qu'on envoie le SWAT? Allez, tiens, on va envoyer le SWAT aussi. Voilà, comme ça toutes mes enquêtes auront été résolues. Y a coup de chance. Bah, enfin, un coup de chance ou pas, je sais pas. Ouais. 10 ans plus tard. On t'a trouvé! Mais bon, ça fait toujours de l'XP, hein. Puis là, en espérant qu'il va pas se barrer, parce que bon. Hop là. Hop. Donc là, on a réussi sur le pont. Nickel. Et l'homicide, on a enfin réussi à l'avoir. En même temps, il pensait pas être inter. Ouais, on a arrêté tous les suspects. Cool, 50 ans plus tard, on a enfin fini cette putain d'affaire. Et Sangas a 13, donc il a toujours 9 points d'avance. Ce qui m'arrange tout particulièrement. Bon, ben on va arrêter là cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, j'ai encore pas vu le temps passer. Ça passe trop vite sur ce jeu. Et n'empêche que je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce up si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à faire tout ce que l'on fait d'habitude sur une vidéo, partager, etc., etc. Et si vous avez des remarques, ben, il y a les commentaires. Allez, bye bye, mes petits amis YouTube. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert, car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye.